Je suis Frédéric Coureau, j'ai la chance de travailler dans un métier qui me passionne depuis de nombreuses années, qui tourne autour du digital généralement, de la prise de parole, du journalisme, et d'être aujourd'hui l'organisateur d'une manifestation qui s'appelle Life is too short, consacrée aux jeunes créateurs d'entreprise. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonjour et bienvenue ici à Vulcania pour cette journée de travail. Oui, car il va y avoir du travail en première partie. Après, une après-midi un petit peu plus détente, 20 années bien chargées, bien remplies avec un parcours exemplaire. On a parlé du passé, est-ce qu'on peut parler de l'avenir un petit peu? Ces volcans à la fois marquent l'histoire, hein, un petit peu comme tout comme vous, 10 ans c'est une histoire, mais ils sont encore actifs, c'est-à-dire qu'ils sont encore bouillonnants, ils sont encore pleins de vie, d'énergie. Même les mots ont changé, hein, on est passé de TIC, de naissance de l'internet, hein, c'était même les NTIC, nous n'oublions pas le N à l'époque, à digital. Hein, c'est digital, c'est cool. Voilà, c'est tout est digital aujourd'hui. Vincent Battisson, vous venez de recevoir un trophée du groupement des créateurs d'entreprise. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez vous présenter, vous, l'homme et votre parcours ? Avec plaisir. Bien, mesdames, messieurs, bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouveau petit déjeuner de la création. 16e année d'existence, on va terminer même cette 16e année. 16 années, parmi, et puis surtout des petits déjeuners qui ont permis d'accueillir depuis toutes ces années plus de 350 experts, plus de 350 intervenants de qualité avec souvent des messages à forte valeur ajoutée pour les jeunes créateurs. Et puis un peu plus de 4000 porteurs de projets, jeunes créateurs qui au fil des ans, au fil des années, sont venus assister à ces petits déjeuners. Et puis ont eu, je crois, me semble-t-il, d'après les retours que nous en avons régulièrement, finalement à trouver un bon conseil, la clé qui finalement leur a permis d'accélérer, d'aller plus vite, de créer plus facilement.